On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éperlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Comme repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards. Et les femmes, les femmes. Oh là là! C'est pour ça que le petit bonnet est attaché, parce que, comme vous l'avez pu le voir, il est assez capricieux. Néanmoins, un étalon du cuirassé espagnol, un petit bonnet et François Lestrade au milieu de la piste. Oh là 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 là. Et il vous fait une petite révérence. Notre mascotte fille. Maradona gitano Anton, Maradona gitano Anton, ay señores que de gracia, que gitano Anton. Voilà, pour les photos, c'est le moment, c'est l'instant. François Equilou. Et au milieu de la piste, le cheval Picasso. Quelque peu effrayé par le passage de l'hélicoptère, mais bon. Donc vous aussi, si vous êtes intéressé par les chevaux espagnols, il y a un concours morphologique, modèles et allures, qui se déroulera les 25 et 26 août du côté de la Massenhoven, c'est en province d'Anvers, qui est organisé par un Lance Belgica, qui est l'ancienne fédération nationale belge du cheval de pure race espagnole. Si vous voulez des coups ou la monde espagnole, vous pouvez aller trouver François. Nous faisons du spectacle caisse. François d'ailleurs sera le 28 juillet sur le grand ring de Livramont, aux environs de 14h d'ailleurs, à la foire agricole, et ce dans 15 jours à 14h, donc le 28 juillet. François aura un passage entre 14h et 14h30 à la foire de Livramont. Allez François, allez, attendez, 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 François, couche-le.
smartphone à gagner si tu restes. Vas-y Jean-Luc. Mets un bien comme ça dessus parce que bientôt. Je te prends après. Et c'est le boulet qui t'en reste ou quoi? Allez, tiens, tiens, hein. Pas trop d'effort. Arrête de tirer en bouche. Arrête de tirer en bouche. La feuille, c'est à droite. Droite, ta position. Ah non. Attention. Mets des gens. Merci, madame. Et ces deux étalons de duresse espagnole, Canino et Renido. Tout ça pour vous montrer la fonctionnalité du cheval de duresse espagnole ici. Cheval de spectacle et de dressage. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook et de liker, comme on dit dans le Japon. Un petit clic sur j'aime. Vous pouvez voir aussi toutes nos vidéos, nos photos, vu qu'ils seront prises aujourd'hui, mais vous pouvez les voir déjà demain. Et je le répète, si vous êtes intéressé par la montre espagnole, n'hésitez pas à consulter notre site, trouver François Lespèce, nous organisons également des stages de monte ibérique. Et si vous êtes intéressé par le spectacle pur, aller de ville en ville comme nous aujourd'hui, n'hésitez pas, nous recrutons. Et les entraînements se font avoir ou à mon ami dans l'entité de Massange, en province de Liège. Mesdames et messieurs, unis à cheval comme dans la vie, François et Aude, avec leurs beaux étalons de pure race espagnole. Et je vous demande encore une fois de les applaudir. Aude et François Lespèce.
Voilà le soleil d'Espagne qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs. Dextérité de François Espèce avec sa galoche. Ça pèse donc plus de 3,5 kg.